programme aujourd'hui, c'est de faire 2-3 milles. On est au départ du col de la Cayolle. On part en direction du Mont Pelat. Et ensuite, on ira sur le 6 mai que j'ai fait fin juillet avec une amie. Donc voilà une grosse journée. 20 km de marche, à peu près 1500 mètres de dénivelé. Le temps est annoncé beau, donc on devrait passer une belle journée. Le 6 mai, il se trouve ici. Nous, ensuite, on va redescendre. On va redescendre de ce côté. On va aller dans le trou de l'aigle, basculer dans l'ombre là. Et ensuite, on va continuer, traverser le vallon, remonter jusqu'au col du Talon qui est ici. Et ensuite, monter vers la crête du 6 mai. Et on fera le retour par la crête également. Et on rejoindra la voiture, la deuxième voiture qui est garée en bas de ce vallon. Après avoir passé le lac du Trou de l'Aigle, nous montons en direction du pas de la Grand Barre. La descente qui suit n'est pas évidente, soyez prudents. Regardez-moi cette posture, c'est quelqu'un qui est prêt à abandonner. Il y a un deuxième 3000 qui nous attend, c'est là-haut, on ne le voit pas, c'est le 6 mai. On est arrivé au 6 mai, donc 3000 et 3000, Vladimir, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 3000 et 3000. Alors, c'est une idée qu'a eu mon père. Un matin, il s'est levé et il s'est dit, et si on faisait 2-3000 dans la journée? Mais tu l'as rêvé, le truc, ou comment ça s'est passé? Non, c'était... Comme je sais que je vais mourir du Covid, j'ai dit que ce serait bien de faire 2-3000 là, après, on voit. Voilà. Donc, vous voyez, le Covid, ça permet aussi de se lancer des défis. Voilà. Je pense qu'on devrait arriver à la maison pour l'apéro. C'est bien ça? Ouais.
grand merci de nous avoir suivis tout au long de cette magnifique journée de marche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Oh.